Bonjour et bienvenue sur Mathilde et Sligo. Bonjour, je m'appelle Valentine Delavaux, j'ai 16 ans. Je monte à cheval depuis que je suis toute petite. J'ai d'abord fait les poneys avec ma ponette Si Jolie des Ifs qui est à vendre aujourd'hui. Elle m'a emmenée jusqu'au championnat d'Europe. Ça a été un réel plaisir qu'elle m'amène à ce niveau-là. Ça m'a permis de progresser sur des grosses épreuves. Aujourd'hui, j'ai Vivaldi que j'ai depuis un an. C'est un cheval de l'élevage de Euskadim. Il est très respectueux. C'est vraiment un cheval en or. On a commencé sur 140 et aujourd'hui, on a un niveau confirmé. L'objectif avec lui cette année, c'est championnat d'Europe junior. Et j'ai récupéré Sangor de l'Aune. Il a un cœur aussi énorme. C'est un très bon cheval de vitesse. Il est tout petit, mais il saute toujours avec un respect incroyable. Et il veut toujours bien faire aussi, comme Vivaldi. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir ces deux chevaux-là, parce qu'ils veulent toujours bien faire, ils veulent toujours m'emmener de l'autre côté des obstacles. Ils ont des qualités hors normes. Et vraiment, sans eux, je pourrais pas être à ce niveau-là, je pense. Et je les remercie vraiment. Donc, les objectifs avec Sangor, ce serait pourquoi pas l'emmener si je suis sélectionnée en internationaux avec Vivaldi pour faire les épreuves intermédiaires en junior pour les vitesses, pour encore m'améliorer dans ce domaine-là, la vitesse, parce qu'avec Vivaldi, c'est pas un cheval de vitesse. Du coup, je peux vraiment apprendre avec Sangor ces épreuves-là. Et en plus, il le fait très bien. Donc, pourquoi pas l'emmener avec Vivaldi dans le camion en internationaux. Et puis faire tranquillement la saison, c'est l'objectif principal aussi, de progresser. Alors bonjour, moi c'est Camille Condé Ferreira, j'ai 18 ans, bientôt 19. Donc je monte en CSI, en nationaux, sur niveau 2 ou 3 étoiles. Et nationaux jusqu'à 1m45, peut-être même 1m50 de temps en temps. Et après, donc aujourd'hui j'ai fait 4 parcours. Une histoire du Morion réalise un parcours à 4 points dans la 1m30. Après, Valgo des Félines, qui lui devient mon cheval de tête, a fait 4 points dans la 1m40. Donc un parcours de formation, donc très 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 bien. Et après, Titan des Félines, lui fait pareil, un parcours à 2 fautes, mais rien de très grave. Et, sachant qu'il avait gagné le Grand Prix 1m40 le week-end dernier, donc c'est un parcours de mise en route pour demain. Et après, Pirol gagne la 1m40, elle a été exemplaire, elle a fait un super parcours, alors je suis très contente. Alors avec Pyrrho, j'ai pas vraiment d'objectif avec elle cette année. Si je veux parler d'objectif, ça sera plus avec Valgo. Donc Valgo des Félines qui lui a 9 ans. Donc ça va être lui mon cheval de tête cette année. Voilà, les objectifs, c'est forcément les championnats d'Europe à Fontainebleau. En plus, en France, pas loin de chez moi, ça serait vraiment le rêve. Après, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. On va croiser les doigts et on va y penser très fort pour arriver à être à Fontainebleau au mois de juillet.